Salut à tous, la trêve internationale est terminée. Les Bleus d'Olivier Krumbholz se sont bien amusés, on va le dire, face à l'Italie puis la Lettonie. Place désormais à la Ligue des Champions pour Metz Handball qui affronte le Rapid Bucarest des Sœurs Canor. C'est ce dimanche à partir de 16h aux arènes de Metz. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag en compagnie de notre invitée du jour, la pivot internationale française de Metz Handball, Sarah Bouptit. Salut Sarah. Salut. Comment vas-tu à deux jours de ce match? Je présume que tu as hâte de retrouver cette Ligue des Champions. Ben, je vais très très bien, très en forme, je me sens bien reposée, contente d'être de retour à Metz et forcément vraiment hâte de reprendre la Ligue des Champions. En face de toi, nos deux chroniqueurs maison, Mathieu Enquiné avec son très beau polo. Salut Mathieu. T'as vu un peu ? Ah, salut Arnaud, salut à tous. Très content moi aussi, hein. Retour du handball à la maison, aux arènes de Metz en plus, ça préchauffe. À tes côtés, Thibaut Pigeon, notre chroniqueur. Salut Thibaut. Salut Arnaud, salut à tous. La forme également ? Bah moi ça va, en plus Sarah vient de dire qu'elle était très en forme aussi, donc bah que des bonnes nouvelles, on est bien. En attendant ce match de dimanche, on va commencer immédiatement cette émission avec l'actualité de la semaine, c'est la première mi-temps. Et on va commencer, Sarah, si tu le veux bien, sur l'équipe de France. On va évoquer ces deux matchs de préparation à l'Euro face à l'Italie, victoire 50-16. Puis victoire 55-8 face à la Lettonie. Alors je sais que vous aimez beaucoup le rugby, on aurait cru Roumanie-Afrique du Sud en mondial. En tout cas c'est vrai, Sarah, que c'était facile, très facile, peut-être un peu trop. C'est vrai qu'il y avait une différence de niveau assez conséquente entre nous et les deux équipes qu'on a affrontées. Mais je pense que c'était important de faire des matchs sérieux et de montrer qu'on respecte tous nos adversaires. Je pense qu'on l'a prouvé sur ces deux matchs. On a tout donné du début à la fin, même si on était à plus 50 ou 45. Donc quand même contente de ces deux matchs, même si c'était des oppositions assez faciles. Face à l'Italie, c'est vrai que c'était à domicile. Donc c'est vrai que ça permettait aussi et surtout que le collectif continue à prendre ses marques. Oui, exactement. Bah, on est toujours très contente de jouer à domicile. Les salles sont toujours pleines. Donc ça fait plaisir. Après, notre objectif, c'est un peu de travailler l'attaque. C'est un peu dommage parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de montées de balles contre-attaque. On n'a pas su travailler les choses qu'on aurait aimé travailler. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Alors Sarah, c'est vrai que ce programme est dû donc à l'Euro. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais dans la perspective vraiment du Mondial puis des JO, pour s'étalonner, ce n'est pas forcément des adversaires que l'on aimerait forcément peut-être vous voir sur le terrain. Bah, c'est sûr que ce n'est pas les adversaires qu'on rencontrera au Mondial ou au Jeu, mais c'est des adversaires qu'on doit battre pour arriver à ces compétitions-là. Donc c'est le travail que l'équipe de France doit faire et on le fait. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce genre de confrontation et ce genre d'adversité ? C'est mitigé parce que d'un côté, effectivement, c'est bien de jouer contre des nations un petit peu plus faibles. Ça leur donne l'opportunité de travailler aussi et de découvrir ce que c'est le plus haut niveau et le chemin qui reste à parcourir. D'un autre côté, je me dis, est-ce que ça leur rend vraiment service à 100%? Je reprends les mots de Olivier Krumbholz après le match contre la Lettonie. Il a dit qu'il faudrait un plan de développement financier et de formation pour aider ce type de nations à progresser. Je pense que c'est par là qu'il faut regarder aussi. Là, on est sur une qualification à l'Euro 2024. Ce sera le premier Euro avec 24 équipes, donc on a choisi d'augmenter le nombre d'équipes, il y en avait 16 par le passé, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore fait tout le chemin nécessaire au niveau du développement sportif pour que bah, ce soit quelque chose qui soit totalement compétitif. Il y a 8 groupes de 4 équipes qui s'affrontent pour se qualifier. Finalement, il va y en avoir beaucoup des matchs comme celui-là avec des équipes qui sont vraiment loin derrière et des équipes qui sont très performantes. J'ai peur de voir les résultats des matchs de préparation, je sais pas, du Danemark, de la Norvège par exemple. Ça va faire mal aussi et forcément, je sais pas si c'est vraiment rendre service à des joueuses que de se prendre des gros coups de massue dans la tête comme l'équipe de France a pu en donner lors de ces rencontres-là. Maintenant, il faut que le handball mondial progresse. Peut-être qu'il me donnera tort avec le temps, avec des vrais plans de développement. Pour l'instant, je reste assez mitigé sur ces rencontres. Sarah, est-ce que tu comprends que l'Euro passe donc à 24, c'est ça ? Passe ouais. De 16 à 24. De 16 à 24. Est-ce que tu penses que c'est bien pour le niveau global ? Je pense que ça va forcément baisser un peu le niveau global parce qu'il y a des équipes beaucoup plus faibles qui vont entrer dans la compétition. Mais je pense que c'est aussi bien pour elles, ça passe par là, il faut qu'elles commencent quelque part. On ne peut pas leur en vouloir d'être un peu faibles. Je pense que l'équipe de France a un jour été faible aussi.
Et c'est comme ça qu'elles vont progresser. Donc on verra comment ça va se passer. C'est la première édition. J'espère que ça se passera bien. Thibaut, c'est vrai qu'on parle de l'Euro, mais la prochaine échéance pour les Bleus d'Olivier Krumbholz, c'est ce mondial avant les Jeux Olympiques. Ce mondial, ça sera une sorte de répétition générale, mais même plus que ça, puisqu'il y a un titre à aller chercher. On sait que les Bleus ne visent rien d'autre que l'or. Oui, c'est vrai que ça doit être d'ailleurs assez compliqué de se focaliser sur le mondial en sachant qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent quelques mois après. Parce que c'est le rêve d'une vie, j'imagine, pour tout athlète de haut niveau de disputer les Jeux Olympiques et d'obtenir une médaille aux Jeux Olympiques. Mais bon, voilà, comme on l'a dit, quand on est l'équipe de France, on se doit de, comme tu l'as très bien dit Arnaud, c'est l'or qui est visé, on se doit de tout faire pour gagner également ces championnats du monde qui arrivent le mois prochain. Entre novembre et décembre, c'est toujours entre les deux. Sarah, justement, comme je le disais, ce mondial, il est important. C'est une répétition générale, mais c'est plus que ça. Ça reste une compétition internationale. Donc, comme je le disais également, le plus important, c'est le podium, voire le titre. Oui, je pense que tout le monde vise l'or, très clairement. Personne ne va dans une compétition pour ne pas la gagner, je pense. Tout le monde a les Jeux Olympiques un peu dans un coin de sa tête, mais moi je sais qu'à titre personnel, c'est d'abord les championnats du monde et on verra plus tard pour les Jeux Olympiques. Et je pense que pour l'équipe, c'est aussi important de faire une très bonne compétition pour après pouvoir se projeter correctement sur les Jeux. La Norvège reste l'épouvantail de cette compétition. Je sais que la France a plusieurs comptes à rendre avec cette sélection, mais c'est vrai que ça reste l'équipe, la sélection vraiment à éliminer et à battre lors de cette compétition. Oui, je pense que c'est une des équipes à éliminer. Après, je pense aussi au Danemark qui commence à être une très très belle équipe aussi. Je pense qu'on est aussi une équipe redoutable. Je sens que ça va être un bel euro et qu'on va se battre pour le titre. On va parler, si vous le voulez bien, maintenant de Metz Handball et de cette Ligue des Champions. C'est le retour hein, avec donc cette nouvelle journée, cette cinquième journée ce week-end. On va regarder tout de suite le calendrier. Donc avec ce samedi, ICAST Lubin à partir de 16h, suivi de Krim Ljubljana contre Vipers Christensen à 18h. Et les deux matchs de dimanche à 16h, Esbjerg FTC et surtout Metz Handball Rapid Bucarest. On va revoir maintenant le classement pour voir où on en est. Un classement dominé par ICAST, 4 victoires en 4 matchs pour la formation danoise. Derrière, on retrouve Krim Ljubljana avec 6 points, égalité avec Esbjerg. Et donc, derrière, avec 4 points, on retrouve les Dragons de Metz Handball et Vipers Kristiansand. C'est vrai que Metz Handball, Sarah, 2 victoires pour 2 défaites. Dimanche, il ne faut pas lâcher de points. Moi, je pense qu'il ne faut plus lâcher de points tout court, surtout à domicile. C'est un match très important et je pense qu'il faut qu'on creuse l'écart avec le Rapid au classement. Ça peut être très important pour la course à la tête du classement, donc je pense que c'est un match très très important pour nous. On l'a vu hein, sur ce classement, ICAST est en tête, ça devrait faire 5 sur 5 ce week-end contre les Polonaises de Lubin. Est-ce que tu es surprise par le niveau en tout cas de cette équipe que Metz Handball, on ne va pas rappeler les mauvais souvenirs, a affronté et a perdu à domicile? Surprise, oui et non, parce qu'en soi, je ne m'attendais à rien, parce que je ne les connaissais pas. Donc, j'avais pas de jugement, pas d'a priori sur cette équipe, j'attendais seulement de voir. C'est vrai qu'après, c'est une équipe qui vient de Coupe d'Europe, donc on s'attend forcément à que ça soit un petit peu plus faible que les équipes de Ligue des Champions. Et au final, elle commence à nous prouver le contraire, donc une équipe très redoutable dans ce championnat. Alors Mathieu, c'est vrai que le triple champion d'Europe est dans la même configuration hein, que Metz Handball, on l'a vu sur ce classement. 4 points, 2 victoires, 2 défaites, une défaite à domicile contre Esbjerg. Et là, il y a un match pas couperé, mais très important pour les Norvégiennes face à Krim. Ouais, tu l'as dit, 2 défaites, une défaite contre ICAST, une défaite contre Esbjerg, ça nous rappelle un petit peu quelque chose. Et c'est une équipe, on en a déjà parlé, qui est quand même calibrée pour aller jouer les phases finales, qui a quand même un sacré bagage, un sacré collectif. Quand on pense à Avia Kireva par exemple, c'est une joueuse qui peut faire basculer des choses à elle toute seule. Donc c'est une équipe qui va encore avoir le temps de performer. La Ligue des Champions, elle est très longue, il y a vraiment le temps d'aller chercher les bons points là où il le faut. Par contre, effectivement, ce match contre Krim, il va être intéressant. Personnellement, je vais cliquer dessus, je le dis chaque semaine, j'adore cette compétition cette année parce que vraiment on a des matchs assez incroyables. Mais Krim qui a fait un très bon début de saison, qui performe très bien, et Vipers qui va essayer de pas de se relancer à proprement dit, mais en tout cas d'aller chercher des points importants, puisque c'est une équipe qui sera
au challenge au niveau du classement. Donc j'attends pas mal de choses de cette rencontre. Ça va nous donner une bonne indication aussi, alors que la saison commence tranquillement à bien se mettre en route, même si elle va être arrêtée assez vite pour les compétitions internationales, mais de savoir quelle est l'équipe vraiment en forme et quelle est l'équipe qui a le meilleur bagage pour aller chercher des choses un petit peu plus tard dans la saison. On sent tout ça que cette équipe de Vipers, elle se cherche un petit peu, hein. Elle a perdu son entraîneur qui est parti à Odense, hein, l'entraîneur qui a recruté notamment Louis Winterburgat pour la saison prochaine. Ouais, c'est sûr que c'est toujours un changement particulier, hein, un changement d'entraîneur. Après, on a déjà vu des changements qui fonctionnaient très bien et très vite. Je pense au Rapid qui a changé d'entraîneur en cours de saison, on en reparlera, mais l'année dernière, et qui a pourtant réussi une saison intéressante. Voilà, parfois ça marche mieux, parfois ça met du temps à se mettre en place, mais en fin de saison, peut-être que ce sera une équipe qui sera encore plus compétitive. Après, il y a eu quelques joueuses qui sont parties, des arrivées, c'est un équilibre qui est délicat, mais je me fais pas trop de soucis. Le gros de l'effectif qui a réalisé ce triplé est encore là, donc c'est simplement de trouver les bons fonctionnements, les bons enclenchements pour tout le monde. Attention, sur la durée, Vipers sera encore, à mon avis, un candidat au tableau. Thibaut, c'est vrai que Mathieu dit que la phase de poule est encore longue, mine de rien, après ce week-end, on en sera au tiers, hein. 5 journées, il y en a 14 au total. Comment tu vois finalement cette poule? Je le rappelle, 2 victoires, 2 défaites pour Metz Handball. Metz Handball qui ira à ICAST, qui doit affronter 2 fois Vipers et également Krim. C'est pas si simple, hein, pour nos Dragons. C'est un groupe, on l'a dit et redit, qui est très dense, très, très compliqué. On a l'impression un petit peu que tout le monde peut battre tout le monde. Si on sort un petit peu, si on met de côté Lubin, si on met de côté... FTC peut-être. Et encore, FTC sur un match, je pense, peut aussi réussir à renverser toutes les équipes de cette poule. Krim avait montré aussi de très belles choses au tournoi international de Metz Handball en début de saison. C'est une équipe surprenante et comme disait Mathieu, je pense que ce match-là de ce week-end contre les Vipers, c'est aussi un petit tournant pour les deux équipes peut-être, mais peut-être un peu plus pour Vipers pour le coup. Parce que Krim est peut-être moins attendu sur cette confrontation que Vipers qui est triple champion en titre. Oui, Krim qui est quand même devant avec 6 points en 4 journées. Ça, on peut parler vraiment de poule de la mort, hein, dans cette poule B, surtout quand on voit, c'est souvent le cas avec Metz Handball, l'autre poule, il y a Gyor, il y a Chessémé, il y a plus grand monde, sans faire injure à Brest. Il y a Brest. En tout cas, il y a une vraie différence entre les deux poules. Oui, je pense qu'il y a quand même une différence entre les deux poules, même si je pense que la poule d'en face n'est pas non plus facile parce que ça reste la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que notre poule, est très très dense et très difficile aussi. Tous les matchs, sauf peut-être Lubin, et encore, j'ai pas encore joué là-bas, donc je sais pas. Mais tous les matchs sont très compliqués, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. C'est des gros matchs, des belles affiches. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais après c'est la Ligue des Champions et c'est ce qu'on aime aussi. On se souvient que l'an dernier vous aviez terminé en tête de la poule. Est-ce que là vous vous dites que pour les deux premières places ça va peut-être être compliqué, ou vous dites justement aujourd'hui rien n'est fait, peut-être qu'Icast va faire une BT game et qu'on peut encore coiffer tout le monde? Oui, exactement, je pense que rien n'est fait, je pense qu'on vise premier ou deuxième comme la saison passée. Après, la saison passée nous a prouvé aussi que être premier n'apportait pas forcément le Final Four. Donc on essaye de faire de notre mieux. Si on n'est pas premier ou deuxième, bah, c'est la vie. On ira passer par les huitièmes et puis on se battra jusqu'au bout. Donc je pense pas de chemin parfait. On fera le mieux qu'on pourra. Mathieu, en tout cas pour préparer ce match contre le Rapid Bucarest, Emmanuel Mahona n'avait que 3 joueuses du groupe professionnel. Zaliata Mlamali, Emma Jacques et Julie Leblévec. C'est très peu, hein, même s'il y a certainement des joueuses du centre de formation qui ont également participé à certaines séances. Et puis surtout, Metz Handball en a désormais l'habitude d'avoir aussi peu de monde durant ces périodes de trêve internationale. Ah, tu l'as dit, Metz Handball a l'habitude. Il y a une époque où même Emmanuel Mahona était absent pendant les trêves internationales et c'était Clément Alcacer qui s'occupait des entraînements à ce moment-là. Donc c'est un dispositif qui est rodé. On sait que dans le handball il y a ces trêves qui arrivent assez régulièrement. Parfois on a même des compétitions qui coupent les choses pendant quelques mois, pendant quelques semaines plutôt. Donc forcément il faut s'adapter à ça. C'est l'occasion de faire des entraînements un peu plus spécifiques, de changer aussi un peu la routine, de travailler sur des petits détails. Et on sait que le plus haut niveau se joue avec ces petits détails. Et puis effectivement les joueuses qui sont restées sont peut-être des joueuses qui manquent parfois un peu de temps de jeu ou d'exposition et qui ont pu parfaire leur jeu pour savoir exactement en quoi Metz Handball avait besoin d'elle quand elle rentre sur le terrain. Donc c'est aussi une différence qui va être importante parce qu'on n'est jamais à l'abri de devoir reposer nos espoirs sur une de ces joueuses-là quand un match ne tourne pas dans le bon sens ou qu'une joueuse est expulsée. Donc il faut pouvoir compter sur tout le monde et ces moments-là sont des moments clés.
a fortiori avec des joueuses du centre de formation qui sont toujours très importantes, mais Sandball a toujours cette ambition de continuer à former, de continuer à développer des joueuses et les intégrer au dispositif, leur permettre de s'entraîner aussi avec des joueuses du groupe professionnel, et ben, c'est leur rendre service. Donc je pense que Mess Handball est rodé à ça, et la reprise d'entraînement a dû être express. Ça va nous en dire un peu plus, je pense. Et j'ai dit 3, 4, puisque Atadou Sakho est revenu de sélection après le match contre l'Italie. Bah, tu poses quasiment la question à Sarah. Je présume que depuis le retour des internationaux, c'est vrai que ça doit carburer avec Emmanuel Mayonnade, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Après, c'est vrai qu'on a un peu moins d'entraînement. On a eu 2 entraînements hier seulement, et sinon qu'un entraînement par jour. Je pense que c'est bien parce qu'on a besoin de souffler aussi. On ne peut pas s'entraîner tout le temps, mais par contre, quand on s'entraîne dur. On s'est remis tout de suite au travail, très concentré. Tout le monde, personne n'est passé à côté de sa reprise, j'ai le sentiment. Donc, on travaille. Match particulier quand même pour Metz Handball et pour le Rapid Bucarest, hein, parce que du côté de la Roumanie, c'est un peu l'auberge Messine, puisque là, il y a Ivana Kapitanovic, il y a Lara González-Ortega, l'Espagnole qui a longtemps joué aussi à Metz Handball, et puis il y a surtout Orlan et Laura Canor. Ce sera un match particulier forcément pour elle, pour Laura, qui revient pour la première fois aux arènes de Metz, et puis forcément pour toi qui les connais par cœur. Oui, c'est vrai que c'est spécial de jouer contre des filles avec qui on a longtemps partagé la même équipe et le même maillot. J'ai jamais vécu ce sentiment de revenir dans un club où j'ai joué, donc je sais pas ce que ça fait, mais je pense que ça doit être un peu spécial. Je pense que c'est aussi un moment qu'elles attendent, parce que c'est toujours très agréable de jouer dans les arènes, et je pense qu'elles ont aussi envie de prouver qu'elles sont encore meilleures que quand elles étaient à Metz. Donc essayer de battre Metz, je pense que c'est aussi un beau défi. Lors de ton prêt à Fleury, le match était à Fleury, pas qu'on aux arènes de Metz. On n'a pas joué Metz. Vous n'avez pas joué Metz, ok. Je croyais. Thibaut, ce match avec les sœurs Canor, on sait qu'elles ont été formées à Metz. Le public les adore, il y aura forcément beaucoup d'émotions. J'ai une pensée émue pour Réjeanne, notre supporter, Réjeanne Gossel, supportrice numéro 1, qui va retrouver Orlan et Laura. Ça va être particulier pour elles, parce que Sarah l'a dit aussi, elles vont avoir pourquoi pas l'envie de montrer qu'elles sont meilleures, peut-être qu'elles ne l'étaient quand elles étaient à Metz, qu'elles sont meilleures maintenant. Donc voilà, en tout cas, une belle opposition qui arrive aux arènes. Il va y avoir en plus du public, des supporters roumains. Ça va faire beaucoup de bruit, à mon avis. Donc il va falloir aussi, c'est un petit message que je lance à nos amis supporters des arènes, il va falloir faire beaucoup de bruit dimanche pour pousser les Dragons vers une 3e victoire dans cette poule. Sarah, est-ce que tu estimes que cette équipe du Rapid Bucarest est peut-être un peu moins forte que l'an dernier? Les résultats semblent le prouver. Défaite 30-28 à Iceberg, défaite à domicile 27-35 contre ICAST, 24-24 à FTC, et victoire simplement d'un tout petit but, 26-25 contre Lubin. Plus faible, je sais pas. J'ai l'impression qu'elles ont un peu de difficultés dans ce début de saison. Elles ont changé d'entraîneur, donc je pense que ça doit pas être facile non plus. Il y a eu quelques blessés aussi. Après, je m'attends à tout avec cette équipe. On les attendait pas la saison dernière. Et puis au final, elles ont quand même battu Gheor, Esberg. Elles ont failli nous battre. On a fait égalité là-bas. Donc je m'attends à tout. Je sais pas si elles sont plus faibles ou pas. Je pourrais vous le dire à la fin des matchs de poule. Si elles finissent 6e, elles seront peut-être un peu moins faibles que la saison passée, mais pour l'instant, je ne m'avance pas. En tout cas, Mathieu, elle semble un petit peu en convalescence, cette formation roumaine. Il y a eu pas mal de blessures ces derniers temps. Orlan Canor, je l'ai dit, sera bien là ce dimanche. Il y a eu des problèmes avec l'entraîneur en fin de saison passée. C'est un peu compliqué du côté du club roumain. Ouais, c'est une équipe qui a été peut-être surprenante l'année dernière, peut-être de la même manière qu'ICAST s'est montré surprenant en ce début de saison. C'est une équipe qui revenait au plus haut niveau, qui réapprend à jouer au plus haut niveau et qui a su vraiment emmener tout son public avec et vraiment pousser pour les matchs à domicile et parfois même à l'extérieur. Le slogan qui est sur le maillot des joueuses indique en roumain, je ne vais pas vous le dire en roumain, mais nous sommes partout à la maison. C'est aussi un petit peu ça, c'est beaucoup de confiance envers le public qui se déplace et qui pousse. Donc c'est une équipe qui peut encore surprendre cette saison. Maintenant, effectivement, c'est une équipe qui doit encore trouver son vrai niveau de forme en ce début de saison. Pour moi, c'est un trompe-l'œil. Tu as cité les victoires, les défaites. Ça se joue à pas grand-chose, finalement. Oui, et puis mais encore une fois, une défaite contre Esbjerg 30-28, c'est pas infamant non plus. Donc,
voilà, c'est une équipe qui va encore se développer. Je pense que c'est une équipe qui va essayer de jouer des coups intéressants, qui va peut-être choisir un peu plus ses matchs, les moments où il faudra se donner à 200%. On va voir, mais je sais que c'est une équipe qui va en tout cas essayer de gagner à Metz et qui va donner le meilleur d'elle-même pour venir chercher un résultat. On se souvient, Sarah, du match de l'an dernier. Alors, il y avait effectivement, Thibaut, un public roumain assez chaud, bouillant. Et ça avait été un match totalement débridé. De mémoire, je crois que ça avait fait 36-34. C'était les attaques qui avaient pris le dessus sur les défenses. Oui, je pense que c'était un match à grosse intensité. On a beaucoup couru. Et forcément, quand il y a plus de possession, il y a plus de buts. C'est vrai qu'on n'avait pas hyper bien défendu non plus, mais je me souviens que ça avait été un match très physique. On avait beaucoup, beaucoup couru, elle et nous. Donc ouais, c'était un gros match. Et il y avait le public roumain qui poussait pas mal. Déjà chez elles, c'est très compliqué d'aller jouer parce que leur public, il est quand même très agressif. Et en plus qu'elles le ramènent chez nous, donc j'espère qu'on entendra plus le nôtre que le leur ce dimanche. Dans quelques minutes, on va parler de liquidation judiciaire en parlant du club de Villeurbanne en Pro League, c'est du handball masculin. Et puis surtout, la conférence de presse de Sarah Bouctit. À tout de suite. De retour sur le plateau de Dragon Mag pour la deuxième partie de cette émission, toujours avec notre invitée du jour, Sarah Bouctit. Et comme je vous le disais, on va parler de liquidation judiciaire dans la deuxième mi-temps. C'est vrai que la France s'apprête maintenant dans 8 à 9 mois à recevoir les JO. Malgré tout, le handball français ne se porte pas forcément très très bien, puisqu'aujourd'hui plusieurs clubs malheureusement ont disparu de la carte. Hein. On pense l'an dernier à Bourg-de-Péage, à Fleury, où tu as évolué en prêt pendant une saison. Celles-sur-Belle, qui avait obtenu son maintien assez facilement l'an dernier en Ligue Butagaz Énergie, a été rétrogradée administrativement. Mérignac a eu de gros problèmes. Et puis handball masculin, c'est pas forcément mieux. On se rappelle que Bordeaux, Blaigue-Lormont a été relégué également à cause de ça l'an dernier. Repêché in extremis, Villeurbanne, après simplement 6 journées, a décidé, dépose également le bilan. Ça fait quand même beaucoup. Avant de te donner la parole, Sarah, Mathieu, comment toi tu expliques, avec ton regard un petit peu de spécialiste, ces dépôts de bilan à répétition? À ta belle liste, j'ai aussi envie d'ajouter l'équipe féminine de Nîmes qui a un petit peu moins d'un an faisait une vidéo qui faisait le buzz au moment de Noël en appelant au soutien, où c'était compliqué aussi. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté. J'ai l'impression que dans le handball, on essaie encore de développer ce sport en France, on essaie de faire en sorte qu'il soit plus connu du grand public, etc. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de contraintes à respecter, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient dans l'organisation, dans la manière dont sont organisés les clubs. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de clubs qui se perdent là-dedans. Alors, est-ce que c'est une perte nécessaire pour la vraie professionnalisation du sport? Je ne suis pas sûr, parce que ça commence à devenir assez inquiétant de voir autant de problématiques. Et le problème aussi, c'est qu'on avance parfois un petit peu caché. On apprend des difficultés financières sur le tard. Ça se gère beaucoup en interne avec des partenaires de proximité. Rarement, on entend la fédération s'exprimer sur le sujet, ou même les ligues s'exprimer sur le sujet. On a l'impression que les clubs sont un peu livrés à eux-mêmes dans cette situation-là. Pire, on voit souvent des retraits de points ou des sanctions. Là où les clubs sont déjà dans le mal, eh bien on leur rajoute une épée de Damoclès en plus au-dessus de la tête avec des rétrogradations possibles. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a une gestion très compliquée en France avec ces clubs en difficulté, et que ça n'aide pas. La preuve étant que tous les clubs en difficulté ces derniers temps ont fini par sombrer dans ces difficultés-là. Exception faite peut-être de Celles-sur-Belle, où la difficulté était moindre, ou de Mérignac qui a su redresser la tête. Mais pour moi, c'est assez inquiétant de se dire qu'un sport comme le handball a encore autant de problématiques sur ces clubs de haut niveau, et voir que ça continue d'année en année, et peut-être même que ça s'aggrave un petit peu. Donc ça m'inquiète. Villeurbanne n'a joué que 5 matchs. Les problèmes financiers ne datent pas d'hier. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Pourquoi on autorise peut-être ce club à démarrer la saison en Pro League? On s'est peut-être dit que ça allait passer. Peut-être que Villeurbanne a proposé des garanties qui étaient convaincantes, mais je pense qu'il faut des vrais plans d'accompagnement pour ces clubs-là, faire en sorte que au niveau du handball national, on puisse vraiment proposer des encadrements, faire en sorte que on verrouille vraiment la sécurité financière de ces clubs-là, et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Parce que si un club tombe au bout de 5 matchs, c'est peut-être que déjà cet été, il y avait des signes avant-coureurs que ça allait pas tenir. On a fait des choix en âme et conscience, mais
mais ça peut poser problème. Pour moi, ça ressemble aussi au choix de renvoyer celle sur Bell en D2, de conserver un calendrier étrange jusqu'au début de saison, de faire monter des clubs en dernière minute. Est-ce que c'est pas les mettre en difficulté financière, ça aussi? Parce qu'il faut tirer sur la corde des partenaires financiers en disant, attendez, on va peut-être être en première division, mais c'est pas sûr, ça va aller ou pas. Ça peut mettre des décalages dans les lignes budgétaires, et forcément ça rend service à personne. Donc je pense qu'il faut plus de clarté en tout cas sur ces situations là et un meilleur accompagnement. C'est vrai que Sarah, Mathieu évoque le début de saison en Ligue Butagaz Énergie. Pendant très longtemps, le calendrier avait équipe 1, équipe 2. On ne savait pas les adversaires de Metz Handball. Il y a Stella Saint-Maur finalement qui est arrivé très vite. Puis vous étiez finalement à un championnat à 13 équipes. Et puis après deux journées, Mérignac qui réapparaît et qui se défend d'ailleurs plutôt bien. Tant mieux pour l'équipe de Mérignac. Mais ce n'est pas forcément la meilleure vitrine pour le handball et pour le handball féminin. C'est sûr que je pense qu'on est dans un moment où on essaye de promouvoir le handball féminin, on essaye de le faire monter, d'avoir des droits TV, etc. Et c'est vrai que si tout le monde voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui déposent le bilan, ça peut être compliqué aussi. On va se demander qu'est-ce qui se passe dans le handball, et c'est peut-être pas un sport si important que ça. Je parle par exemple du foot où j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dépôts de bilan. Donc je ne sais pas sincèrement d'où vient le problème. Il faudrait peut-être régler les problèmes avant. Peut-être pas faire monter les clubs s'ils n'ont pas de structure vraiment stable pour éviter les dépôts de bilan. Après, je ne connais pas assez le sujet pour en parler, mais c'est vrai que ça m'attriste beaucoup pour ces clubs. En tout cas, est-ce que finalement, parce que ça avait été évoqué par un temps, est-ce que la Ligue Butagaz Énergie doit revenir à 12 clubs, voire peut-être même moins, hein, 10, plutôt que... en plus, quand on voit les disparités sur certains matchs entre le premier, c'est-à-dire Metz Handball, et certaines équipes, resserrer vraiment peut-être vraiment ce championnat. Je pense qu'il y a des côtés positifs et négatifs. Je pense que pour les clubs européens, passer à 12, ça serait quelque chose de bien, parce que ça nous ferait des matchs en moins. Et vu qu'on joue 2 matchs par semaine, ça nous ferait plus de repos. Après, je pense à des clubs comme... Mérignac par exemple, qui n'a pas de Coupe d'Europe, ils jouent un match par semaine. Si on leur retire 3 matchs dans l'année, ça peut être aussi compliqué pour elles. Donc je pense qu'il faut poser le pour et le contre. Après, si ça peut éviter des dépôts de bilan, pourquoi pas. C'est un mal pour un bien, mais je sais que c'est un sujet en discussion. Ça sera peut-être le cas la saison prochaine. En tout cas, ils en discutent, on nous demande notre avis, on verra. Toi, tu es pour, justement, pour privilégier peut-être la Coupe d'Europe, la récupération? Moi, je pense surtout aux clubs les plus faibles, et ça me fait beaucoup de peine. Donc, je suis ni pour ni contre en soi. Je ferai ce qu'on me dit de faire, mais j'ai pas trop d'avis, parce que si je pense qu'à moi, je dirais 12, mais j'ai pas envie de penser qu'à moi parce que je suis pas toute seule, donc je sais pas. Et puis que ton passage à Fleury t'a marqué, c'était une belle expérience également. Exactement. Thibaut, c'est vrai que c'est un dossier compliqué, mais quand on voit encore une fois tous ces dépôts de bilan, il y a la liste que j'ai donnée, Mathieu a évoqué Nîmes, il est temps de se poser les bonnes questions. Ça montre qu'il faut avoir les reins solides, pas forcément pour la Ligue Butagaz Énergie, également pour la Pro League. Il y a l'exemple de Villeurbanne. On peut parler, il y avait un article il y a quelques semaines dans le Républicain Lorrain par rapport à Sarrebourg Handball avec le président Reinhardt qui détaillait un petit peu la stratégie, le virage qu'a dû prendre le club cet été en baissant la voilure financière. Donc faire beaucoup plus confiance aux jeunes avec des départs de joueurs cadres, moins de professionnels, etc. On voit que sportivement, du coup, c'est plus compliqué en ce début de saison. Oui, ils sont derniers à égalité avec Bière, et notamment, j'en profite, hein, ça sera le match de ce samedi sur Moselle TV à partir de 20h20. Un match à ne surtout pas perdre, donc ça n'en remet que plus de suspense, donc tous sur Moselle TV pour cette rencontre. Ça montre que, et aussi qu'il faut avoir un président qui a la tête sur les épaules, capable de dire, comme c'est le cas pour Christian Reinhardt là, il faut peut-être qu'on prenne un peu plus de risques sportivement, il faut qu'on réduise la voilure financièrement, parce que si on continue comme ça, on va droit dans le mur, et c'est peut-être ce que d'autres clubs n'ont pas été capables de faire en voulant toujours faire plus, plus vite. Là, ça va peut-être prendre du temps, peut-être que on en parlait, peut-être que les jeunes vont prendre du temps à se mettre en route, en place. Une fois que la mayonnaise va prendre, une fois que les jeunes auront pris de l'expérience, peut-être que ça peut très bien rouler comme ça pour Sarrebourg, et d'ailleurs, je leur souhaite de tout cœur. Mathieu, je lance un pavé dans la mare, comme très souvent d'ailleurs. C'est vrai que Metz Handball joue de plus en plus de matchs à domicile à l'espace Saint-Symphorien, au complexe Saint-Symphorien. C'est aussi pour des raisons budgétaires. Thierry Weisman, président, hyper président de Metz Handball, fait ce choix aussi peut-être justement pour ne pas aller droit dans le mur.
Oui, mais on revient aussi à une autre problématique, c'est dans la professionnalisation du sport, aller jouer dans des gymnases plutôt que dans des vraies belles salles avec du public chaud et qui entoure tout ça. Bah, ça montre aussi que c'est un sport qui est encore sur une certaine ambivalence. On saute un peu du grand handball avec du handball un peu qui donne moins envie. Cette salle, elle donne moins envie aux supporters, elle donne moins envie aux diffuseurs. D'ailleurs, aux joueuses aussi. Il n'est pas possible de diffuser les matchs dans cette salle en raison du marquage multiple. Donc, c'est assez compliqué pour tout le monde et je ne sais pas si ça donne aussi la meilleure image du handball féminin aujourd'hui, même si bah heureusement que Metz a cette salle-là qui permet de pouvoir jongler quand les arènes ne sont pas disponibles ou quand on veut essayer de limiter les coûts. Mais Sarah parlait des petites équipes et de ces choses-là, moi ça me fait aussi mal au cœur de voir des petites équipes venir jouer au complexe, là où peut-être dans leur combat pour monter en première division ou pour exister en première division, elles ont aussi envie de se confronter aux salles, au public, aller dans les arènes de Metz, c'est peut-être un rêve pour certaines joueuses. Finalement, ça se finit au complexe Saint-Symphorien, ce qui est aussi une moindre récompense, même si en face, c'est quand même le grand Metz Handball, mais c'est un petit peu délicat de ce côté-là. Et on a vu, notamment, c'était contre Dijon, que le public a répondu présent, puisque le complexe était rempli sur le complexe Saint-Symphorien. C'est vrai que pour vous, c'est aussi moins gratifiant de jouer là-bas qu'aux arènes. Oui, évidemment, les arènes, c'est, je pense, une des plus belles salles de France. C'est une salle magnifique, donc on a toujours envie de jouer là-bas. Après, si c'est pour éviter de déposer le bilan, moi je joue tous les matchs. On n'en est pas là. Rien, sans problème. Non, mais bien sûr, mais moi je fais confiance à mon président. Je pense que c'est un président qui a la tête sur les épaules. Et s'il fait le choix de jouer au Saint-Symphorien, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Après, c'est vrai qu'il y a moins de supporters. C'est aussi moins alléchant. Donc, bon, c'est plus compliqué. Il y a des côtés négatifs. Mais s'il faut passer par là, et bon, on le fera. En tout cas, nous, on joue le même handball. On propose le même spectacle, on est la même équipe, donc que les gens viennent nous voir, même si on est au complexe Saint-Symphorien. Et ils répondent présent. Tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu ? Oui, il y a quelque chose que j'ai pas évoqué aussi au niveau de l'équipe financière du handball. Aujourd'hui, beaucoup de clubs dépendent des collectivités. Il y a peut-être aussi l'économie du handball qui doit évoluer pour se détacher un petit peu de tout ça. Alors, on n'est pas en période électorale, etc. Mais dans ces périodes-là, c'est très compliqué pour les clubs. Le cas de Fleury, c'était aussi un cas qui était lié à la volonté, que ce soit de la mairie, d'une communauté de communes et au-delà, de financer le club de handball. Et c'est le cas aussi à Nîmes. Donc il faut peut-être aussi trouver une autre économie. Metz Handball a commencé à prendre ce virage-là avec plus de partenariats privés, avec beaucoup plus de prestations autres qui lui permettent d'être plus stable. Mais tous les clubs ne peuvent pas le faire. Tous les clubs ne sont pas sur un territoire où il y a le terrain pour le faire. Et il va falloir aussi que le handball passe par là pour moins dépendre d'une volonté publique, mais bel et bien exister en tant que club à part entière. Et c'est vrai que là, Metz Handball a de la chance avec les collectivités, que ce soit la ville de Metz, le conseil régional et surtout le conseil départemental de la Moselle. On va terminer cette émission. Thibaut, 8 rapidement. Mais Metz Handball a aussi compris ce que disait très bien Mathieu, qu'il fallait aussi essayer de plus miser sur les partenaires privés. Mm-hmm. Et je pense que si on fait venir Grégory Muller, on pourra s'apercevoir que ça marche aussi plutôt bien de ce côté-là. Et c'est tant mieux aussi. C'est un savant équilibre. L'invitation est en tout cas envoyée à Grégory Muller qui vient tous les ans sur le plateau de Dragon Mag. On termine cette émission avec la conférence de presse. Alors Sarah, première question, est-ce que tu sens vraiment que ton statut a changé? Ce que je veux dire par là, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on peut le dire, tu es de plus en plus ciblé par tes adversaires. Je le sens sur le terrain, ouais. Je sens les coups. Les coups sont différents. Je pense que c'est quelquefois des coups un peu plus méchants que j'ai connus auparavant. Mais d'un côté, je le prends bien. Parce que si c'est ça, c'est que je deviens quelqu'un d'important à Metz Handball et dont les équipes ont peur. Donc ça me fait plaisir, même si des fois c'est dur. Et c'est dur aussi de garder son calme sur le terrain en prenant beaucoup de coups. Mais j'essaye de relativiser et pour l'instant, ça va. Ouais, parce qu'il n'est pas rare que tu termines un petit peu blessé même des fois parce que tu prends beaucoup, beaucoup de coups. Tu as récemment, en début de saison en tout cas, prolongé jusqu'en 2026. C'était une évidence pour toi de rester à Metz Handball. Très sincèrement, oui. Je me sens très, très bien dans ce club. C'est mon club de cœur. C'est presque le seul club que j'ai fait. J'en ai fait des plus petits avant, en moins de 15, etc. Mais c'est mon seul vrai club.
Donc oui, c'était une évidence parce que j'ai ma famille pas loin, parce que je suis dans un confort et parce qu'on me fait confiance et que je joue une heure, donc j'avais pas de raison de vouloir partir. Est-ce que tu es jeune, tu as 21 ans, tu les as eu il y a pas si longtemps que ça, je crois au mois d'août. Oui. Est-ce que dans ta carrière, tu as déjà fait un plan, tu t'es dit j'aimerais bien tenter un jour, le plus tard possible, une aventure à l'étranger, ou alors pas du tout, tu ferais bien une Isabelle Wendling et rester peut-être toute ta carrière à Metz Handball? Je dirais que je me ferme aucune porte. Je sais pas si je resterai toute ma vie à Metz Handball, peut-être. Je ne ferme pas cette hypothèse parce que je me sens très bien et si je me sens toujours bien, il n'y aura jamais de raison de partir. Mais c'est vrai qu'après l'étranger, c'est aussi quelque chose qui me tente un petit peu. Je trouve ça assez intéressant de connaître d'autres cultures, d'apprendre d'autres langues, de connaître d'autres championnats aussi. Parce que j'apprends à connaître de plus en plus la Ligue Butagaz Energy et j'ai l'impression qu'il y a des championnats comme celui de la Roumanie qui sont très très intéressants. Donc pourquoi pas l'étranger un jour ? Thibaut, une question pour Sarah. Eh ben justement, bon, parce qu'Arnaud, tu m'as un petit peu piqué ma question, mais je t'en veux pas. Hein, je suis désolé, Thibaut. C'est coutume. du coup, pour rebondir un petit peu, tu te fermes aucune porte. Est-ce que, parce que tu n'as que 21 ans, ça aussi, on le répète, mais on a l'impression que tu es là depuis déjà... Plusieurs saisons, nombreuses saisons. Si tu viens à partir, tu as déjà fait justement pas mal de salles, pas mal de pays. Est-ce qu'il y a une salle où tu t'es dit j'aimerais bien jouer ici un jour? À part la Brest Arena. Non mais ça c'est interdit ça. Non, il y a des salles où je me suis dit que je ne voulais pas jouer parce qu'il y a des endroits où je n'aime pas la mentalité, donc il y a des clubs où je sais que je n'irai pas. Après, des salles où j'ai vraiment aimé, je pense que le public roumain, c'est un public que j'aime beaucoup. Ça me fait penser au foot et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot et qui aurait aimé peut-être faire professionnel dans le foot. Il y a une partie de moi qui aurait rêvé de ça. Donc, je pense que peut-être le championnat roumain pour son public, parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des gens qui te poussent tout le temps, qui crient, qui font presque peur aux adversaires. Je trouve ça ouf et je sais que c'est pas... C'est pas l'esprit français et j'aimerais peut-être le connaître un jour. Alors tu me lances en profondeur entre guillemets, tu parles de foot, tu parlais de ta petite sœur qui a signé donc au FC Metz. Est-ce que tu lui donnes des conseils, tu essayes de lui dire bah voilà, si tu joues pas ce week-end c'est pas grave, ça va venir, il faut surtout prendre son temps. J'essaye d'avoir de prendre à cœur mon rôle de grande sœur. Je suis hyper fière d'elle et très très heureuse de l'avoir au FC Metz. Et j'espère que ça va super bien se passer. J'essaye de faire tout mon possible pour que ça se passe bien. Avec le peu d'expérience que j'essaye de lui donner les conseils que je peux lui donner. C'est mignon parce que des fois elle m'appelle pour me poser des questions sur plein de choses futiles. Un échauffement ou des étirements, oui. Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce qui ferait un peu plus professionnel? Parce qu'elle ne connaît pas ce monde-là encore. Et en fait, ça m'émeut presque parce que je me dis, je suis vraiment un exemple pour elle et je suis super contente de ça. Donc, j'essaye de lui donner les meilleurs conseils possibles. Grande sœur aussi avec ta partenaire au poste de pivot parce qu'elle est plus jeune que toi, Mia Berkic, elle a 20 ans. Oui, c'est la première fois que je suis la plus âgée au poste. Après, très sincèrement, je vois pas la différence d'âge parce que bon, elle a qu'un an de moins. Mais j'essaye de lui apporter ce que je peux. Après, c'est vrai que je pense que ça doit être aussi difficile pour elle d'être dans une situation où elle joue pas beaucoup. Donc j'essaye de gérer au mieux ça aussi parce que je pense qu'il faut la mettre dans de meilleures conditions pour que quand elle rentre sur le terrain, elle soit le plus performante possible. Mathieu. Oui, alors Sarah, moi je suis là pour faire amende honorable. Il y a quelques mois, j'avais évoqué tes débuts au centre de formation en parlant de Clément Alcacer et tu m'avais repris à juste titre en me rappelant que tu avais démarré sous les ordres de Yacine Messaoudi. Et justement, j'aurais voulu savoir ce que tu gardais de cette époque-là, de tes premiers pas au centre de formation. Ça semble extrêmement long aujourd'hui, mais comme tu l'as dit, 21 ans, mais tu es venu tellement vite avec les Dragons. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque? C'est vrai que je suis arrivée très très tôt avec Yacine Messaoudi à 15 ans. Et je pense que je lui dois beaucoup, beaucoup à Yacine. Il a su voir en moi ce que moi-même, je ne voyais pas. Faut pas partir à Paris quand même. Hein. Paris-Brest, pas possible. C'est pas dans les projets. C'est pas dans mes projets. Mais oui, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a beaucoup apporté. Il m'a fait confiance très, très jeune. Et quand je repense à comme j'étais, à comme je pensais, j'étais un bébé, très clairement. Et je pense que j'ai un peu évolué. C'est beaucoup grâce à lui.
J'ai réussi à évoluer à mes sandballs, il m'a fait signer son de formation, il y a eu quelques problèmes avec le pôle aussi, et il m'a toujours soutenu. Donc je garde que des bons souvenirs. Je pourrais, s'il regarde l'émission un jour, je le remercie encore pour ce qu'il a fait pour moi. Et ouais, que des bons souvenirs, une super période. En plus, on avait fait championne de France de N1, donc c'était vraiment génial. On sait que tu aimes les responsabilités. Est-ce que tu prends de plus en plus la parole, que ça soit dans le vestiaire, mais également sur le terrain ? Ah, je suis quelqu'un qui aime les responsabilités, mais par contre, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler, et surtout en dehors du terrain. Donc c'est vrai que dans le vestiaire, si un jour je pense que je dois dire quelque chose d'important, je le ferai. Mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, contrairement à Tadou par exemple, qui est pas une personnalité qui parle beaucoup. Moi, je suis tout l'opposé d'elle. Je suis très timide, et donc en dehors du terrain, non. Par contre, sur le terrain, je pense que j'ai un rôle et un poste qui fait que je dois beaucoup parler. Que en pivot, en soi, j'ai pas beaucoup la balle, mais je dois quand même. Comment dire, j'ai une vision autre que les arrières, et je pense qu'il y a des choses que je vois qu'elles ne voient pas, et c'est important de leur dire, parce que je pense que ça peut nous aider dans le jeu. Et défensivement, évidemment, je défends pendant quasiment une heure, je suis en poste 3, donc je dois beaucoup parler. Donc oui, sur le terrain, je pense que j'ai progressé sur ça, j'essaye de parler de plus en plus. Avant, je parlais pas, et c'était un gros problème pour mes coéquipières, donc maintenant j'essaye de parler. Ouais. Comme d'habitude, c'est pour toi la dernière question, Mathieu. Ouais, bah, je voudrais terminer sur l'équipe de France. On se souvient de ton émotion quand tu as été appelé pour la première fois, et c'était une satisfaction énorme pour toi. Aujourd'hui, tu sembles de mieux en mieux intégré dans le dispositif. Quel est ton rapport avec ce maillot bleu ? Est-ce que c'est toujours cette émotion au moment de découvrir la liste dans laquelle tu es appelé ? Alors, c'est toujours une émotion, peut-être pas comme la première, parce que la première fois, j'avais envie de pleurer, et là, j'ai plus forcément envie de pleurer, mais par contre, le plaisir est le même, et l'honneur reste le même, et je pense que ça le restera toujours, si j'ai la chance de faire des années en équipe de France. Donc, très heureuse. Après, je pense que ça se voit sur le terrain, que je me sens mieux, et parce qu'on me donne beaucoup plus de responsabilités, je vois qu'on me fait confiance, je vois qu'on se projette avec moi aussi. On m'inclut dans le projet de jeu, donc forcément je suis plus en confiance, je me sens bien plus dans le projet. Je sens que c'est pas tout à fait comme mes sandballs, mais presque. Non, on est encore quand même à des années-lumière de mes sandballs. Il y a pas mal de coéquipières qui sont en commun, donc ça aide aussi. C'est vrai, mais je pense que c'est surtout par rapport au staff, parce qu'avec le coéquipier, les filles sont géniales avec moi, elles ont envie de jouer avec moi, et j'ai envie de jouer avec elles, donc tout va bien. Mais je pense que ma relation avec Olivier est bien différente de celle que j'ai avec Manu, mais parce que j'ai beaucoup prouvé à Manu que j'ai pas encore réussi à prouver à Olivier, donc c'est normal, donc j'essaye de prouver de plus en plus pour qu'il me fasse de plus en plus confiance. Justement, il est parfois un peu piquant, même dans la presse, Olivier Krumbholz. Vous discutez quand même beaucoup, pas forcément de ça évidemment, mais est-ce que justement vous avez une relation qui s'améliore justement au fur et à mesure ? Oui, beaucoup. Au début, déjà j'avais un peu de mal par rapport à tous les pics, forcément c'est pas facile à vivre, même si il a dû le dire à juste titre, mais ça a été une période quand même difficile pour moi. Donc au début, une relation, je dirais pas conflictuelle, mais en tout cas, pas trop de relation entre nous deux. Et plus je suis sélectionnée, plus je joue et plus on discute de handball, pas forcément de handball. Et au final, je me rends compte que on s'entend très bien, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc tout va bien. Et puis sportivement, on est tous d'accord pour dire que Sarah Bouktit, elle a largement le niveau pour jouer en équipe de France. Merci beaucoup en tout cas à Sarah d'être venue sur ce plateau. Merci à vous deux messieurs. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.